si elle est jolie ou pas, ah. Je suis aveugle. Oh purée, il faut que qu'est-ce qui s'est passé, Yo? Alors, je te présente ce monsieur, il est le rejoindre devant l'hôpital. Salut, moi c'est Car. Bah, il dit qu'il est le aveugle, mais quand je lui dis par exemple, il est sourd. Devant le commissariat, quand je lui dis, il touche le téton, il touche le téton. Quoi? Je comprends rien. Bah, c'est ça. Alors, en fait, quelqu'un lui a dit qu'il était aveugle. Il du est coup, aveugle ou il est pas aveugle? Mais du coup, il voit rien. Mais si, je suis aveugle. Mais moi, quand je lui dis par exemple, t'es sourd, et ben d'un coup, il n'entend plus rien. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais arrêtez de dire ça! À chaque fois, j'entends pas. C'est bizarre. Je pense que c'est un monsieur qu'il faudra voir montrer au psychiatre. Faut prendre un rendez-vous demain, Rago. Ah non, les psychiatres, c'est tout, c'est extraterrestre. La dernière fois que j'ai vu des psychiatres, et ben en fait, c'était un extraterrestre qui m'a dit qu'il avait des grandes capacités symbiotiques. Et qui m'a dit des trucs dans la tête. Et depuis, je suis aveugle, mais dès que je bois ou je prends de la coke, et ben je vois des trucs. Il faut absolument que. Ou alors, je l'enferme pour la nuit dans une. Ah non, vous allez quand même pas m'enfermer. Je viens juste de m'évader de l'hôpital psychiatrique. C'est bien ce que je dis. Venez, je vais vous donner à manger. Ah, mais j'avais pas conscience de tout ça. Ah non, mais j'ai pas du tout faim, moi. Je dois organiser une course avec monsieur Ragout pour demain. Sinon, on va avoir de gros problèmes. Ragout, s'il te plaît, je peux te parler? Oui, bien sûr. Là, franchement, j'ai pas le temps. Mais oui, je comprends, mais. Mais tu l'emmènes avec toi, tu l'enfermes chez toi dans une chambre, tu lui donnes à manger, ok? Attends-moi, Daniel, on a une urgence. D'accord, mais c'est dangereux parce que. Il y a le monsieur là qui sort de l'hôpital psychiatrique. Là-bas. Là, ce monsieur-là, il a vraiment besoin d'être enfermé. En vérité, il a besoin d'être enfermé. C'est votre ami? Bah non, je le connais pas, mais demain, il y a quelqu'un qui nous a payé. Mais pourquoi pour vous voulez m'enfermer, madame? Qu'est-ce que je vous ai fait? Parce qu'il est l'heure d'aller faire dodo, monsieur. Bah non, moi je dors plus, ça fait 8 ans que j'ai pas fermé l'œil. J'ai fait une anesthésie, Daniel? Pour le moment, il m'a l'air pas. Viens. Juste une petite anesthésie rapide. Une anesthésie? Bah non, ça c'est un truc d'extraterrestre. Après, vous allez mettre de l'iode et dans le cerveau, ainsi que de fluor pour pouvoir contrôler ma pensée. Et je vous ai vu venir, vous êtes une reptilienne, vous, ça se voit tout de suite, ça c'est des techniques de reptilien. T'as vu ma langue fourchue là? Mais les reptiliens, ils ont pas du tout des langues fourchues, ils ont les yeux comme des reptiliens. Et ouais, et ben moi, tu sais ce qu'elle va te faire la reptilienne pour que tu dormes? Je sais pas moi. Daniel, tu lui fais ou c'est moi qui lui fais pour qu'il dorme? Vas-y, fais ce que tu veux. Bon, je fais attention parce que je sais lire dans la pensée des gens, parce que je suis aveugle. Par exemple, je sais que votre deuxième prénom c'est Isabelle. Ouais, c'est sûr, ça c'est Isabelle. À la 1, à la 2, à la 3. Et voilà, il dort. Et il est plus aveugle. Et voilà. Allez. Voilà. Et vous en posez quoi de ma voiture, Daniel? T'en penses quoi? Attends, je m'occupe de ce monsieur, attends. Ok. Il est spécial, ce monsieur. Ah ouais. Tu le portes? Allez, tu me l'enfermes à l'hôpital, on a une urgence. Il pue ce gars-là. Oh là là. Là, c'est le STF. Je suis désolé, mais je savais pas quoi faire. Faut l'enfermer. Faut l'enfermer dans une chambre spéciale. Je vais t'ouvrir les portes. Tu veux pas qu'on l'emmène avec Obra? Obra, tu veux pas l'emmener avec toi? Non, il faut l'emmener. Alors là, non, j'y vais pas. Attends, il faut l'emmener à la police, ils vont l'enfermer le temps que le psychiatre arrive. Viens, je conduis, okay. Vas-y. Ah non, mais ils font pas l'enfermer dans la police quand même, il est pas le criminel. Mais t'inquiète, allez, c'est parti. Allez, fais vite, hein, qu'il se réveille, fais vite. Allez, roule. Non, maman, me frappe pas, maman. T'as pas respecté Obra là, oh le pauvre. Tu l'as pas respecté. J'ai rien vu. Calme-toi, pourquoi tu t'énerves? Mais c'est quoi reptilienne? Il m'a l'air familier ce mot là. Reptilien et coquin, le mot de folie s'empêcher. Allez, vite. J'ai l'épée qu'un pharès. On a une urgence. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, le psychiatre n'est pas là. C'est un monsieur qui s'est échappé d'hôpital psychiatrique. Nos chambres ferment pas. Allez, venez, s'il vous plaît. Venez. Et il risque d'être violent un peu. Ouais, bah il va être violent.
Il va être là dans 5 minutes parce que j'ai rentré mon. On peut vous laisser parce que nous avons une urgence. Je vais m'amuser un petit peu avec lui. Non, vous vous amusez pas avec lui, vous l'enfermez. Je suis médecin, je suis médecin aussi. Ah bah c'est bon. Il est médecin à temps plein, il est médecin à temps plein. Wesh, lève-toi. Allez, il faut l'enfermer. Daniel, je remets la voiture en route, il y a l'urgence, il y a un mec, il y a un malade. D'accord, ok. Le traitement de choc des infirmiers. J'adore ce passage. Mon Dieu.